Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite du Let's Play sur Far Cry 6. Alors, la dernière fois, on avait fini l'arc des légendes de 67. Oh là là, qu'est-ce que c'est pas manier ce truc des fois. Hop, on va décoller. Je vous explique pourquoi. En fait, j'ai été prendre ce véhicule tout simplement parce que du coup, on va continuer les Maximas Matanzas ou je ne sais plus comment ils s'appellent, enfin le groupe de rap là. Et bah, grosso modo, on va continuer cet arc là parce que c'est le dernier territoire à conquérir, donc là, le troisième bout d'île. Et une fois qu'on aura fait ça, bah du coup, à mon avis, on ira voir Castillo. Voilà, et vu que Bembe, donc si vous savez pas, c'est un espèce de prêtre qui fait du trafic d'êtres humains, des choses comme ça, genre un gars bien, quoi. Et ben Bembe, il nous a fait récupérer cette zone-là pour lui, et maintenant il va s'en servir comme port, et il a besoin de nous pour travailler. Et vu qu'on a besoin de lui, ben on est obligé de faire son petit boulot. Hop là. Oui, je m'embête plus à atterrir avec ce truc maintenant. Je vais souvent au casse-pipe comme ça, c'est plus rapide. Hop là, voilà Bembe. On a du pain sur la planche. Bon, apparemment, on peut le buter. Hein. Il cherche à s'échapper de ce paradis. Et toi, tu vas les y aider. Je t'ai laissé un camion. Récupère des réfugiés. Amène mes clients jusqu'au quai où un bateau les attendra. Il y a des gardes. Alors, il va falloir ruser un peu pour qu'ils te laissent passer sans te battre. C'est là que Rafael Merero débarque. C'est pas ma spécialité. C'est un faussaire, mais aussi un de mes très bons clients. Il va te fournir des papiers. Si tu réussis, j'effacerai la dette de Paolo. Tout le monde y gagne. Alors c'est la deuxième mission pour cet arc, donc j'imagine que non, ça ne suffira pas pour avoir tout le monde. Alors, où est-ce qu'il faut qu'on aille? 2300 mètres, mais vous êtes fous. Vous connaissez la rengaine. Youp là. Alors, c'est par où? C'est la question. À chaque fois qu'on apparaît, il y a un truc qui est nul. Bah, ça tombe bien, c'est en face de nous. C'est qu'il y a d'abord l'apparition du territoire où on est, quoi. Le petit titre, c'est joli, mais ça empêche de voir, quoi. Surtout quand on fait cette technique comme moi, très souvent. Il dit qu'il a un dernier boulot à me faire faire. Et après, tu seras tranquille. Je suis pas fier, mais j'hésiterai pas à recommencer pour nous sortir de Yara, Talia et moi. Dany, je suis conscient des risques que tu prends pour moi. J'oublierai pas. Tu me remercieras si je m'en sors en un seul morceau. Ouais, puis rejoins Libertad, comme ça, ça m'arrangerait bien. On va voir Anton beaucoup plus vite. C'est sûrement Raphaël. C'est sûrement Raphaël. Bembe, pourquoi partout où tu m'envoies, c'est la merde? Spéculer est une perte de temps. Et le temps, c'est de l'argent. Prends les choses en main, Horace, et vite. Raphaël est dans le coin. Ok. Attention, Dany. Ok, donc il faut qu'on libère des gens de là-dedans. Bon, vous avez eu un petit cut, à mon avis, parce que je me suis crashé. Je me suis trompé de touche, en fait. Ouais, on est bientôt à la fin du jeu, et je me suis trompé de touche, ça arrive. Du coup, bah, j'ai déplié mon wingsuit, mais j'ai perdu... Alors combien ils sont? Parce que si, on peut peut-être l'attaquer directement, il a l'air tout seul. Enfin presque. Ok. Il serait en haut. Seigneur, je regrette mes péchés. Sniper. Ah, la discrétion ratée. Bon, il y a des trucs. On va recharger. La musique s'est coupée direct. Hop. Alors, vas-y, va-t'en. 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 Ils sont où les autres par contre? Moi j'ai vu personne d'autre. Ah si, il y en a là. Il y en a plein. Nickel. Une petite cage là-haut. Parlez à Raphaël. Ouais, attends, on va juste aller vérifier quand même qu'il n'y ait pas un petit peu de poudre là. Ah non, c'est tout en haut. Je n'ai pas envie d'y aller, j'irai en hélico. C'était quoi le défi principal accompli en sautant d'un pont? Enfin, d'une tour. Et il s'en va. Reviens, Raphaël. Toi, viens voir. J'arrive. C'est Bembe qui t'envoie? Si. C'est toi, Raphaël? J'ai tes papiers.
Ils sont dans le camion avec les clients de Bembe. Grouille-toi un peu. Et toi, tu fais quoi? Je retourne à mon studio. Là. Je viens pas de te sauver la vie. Bembe, j'étais client. Et les papiers de Raphaël. Super, Horace. Maintenant, fais en sorte que ma cargaison arrive à bon port. Si. Ok. Alors, elle est où la cargaison? D'accord, dans le cadrage qui est là. Si on n'a pas le droit de battre, ce vote, ça va être un petit peu dur. Je suis quand même plutôt doué avec ça. Et pas trop en négociation, quand même. Ouh, on pourrait même prendre une voiture. Oui, ils sont quasiment tout pourris, mais... Je crois pas qu'on ait le choix. Donc ça y est, on transporte des civils vers la frontière, mais quelle horreur. Bah, mon os. C'est bon. Dans le camion. Le bateau attend. Alors, il est où ton bateau? Moi, je veux bien y aller. Ça va, ça a pas l'air trop long. La marchandise. La marchandise? J'ai un camion rempli de gens. Non, Dani. Il est rempli d'argent. Mon argent. Ah, j'ai que 2 minutes pour y aller, j'avais pas fait gaffe. On a un klaxon, tout va bien. Je suis sur 500 mètres en 2 minutes. S'il n'y a pas un barrage, ça devrait aller. Oh là là là. Les gardes. Le mec qui se met à tirer sur les panneaux. Parce que quand vous tirez sur les panneaux, ça vous donne de l'XP. Ça vous fait prendre des grades. Oups, j'ai pas vu que c'était ici. Ah, il y a des gardes par contre. Alors, comment ça va se passer? Une petite minute, des sapins de Noël. Ça pousse ici? Les Mexicains sont prêts à payer gros pour ça. Comment tu crois qu'il présidente paye les liftings de Maria? Ok. Circulez. Ça va, Danny a bien négocié pour une Bembe fois. Bembe a intérêt à être là. Ouais, ils sont partout. Je vois pas de bateau. Il y a Bembe. C'est du très beau travail, Rojas. Je suis sûr que nos amis vont être extrêmement ravis. Pourquoi tu l'as pas fait toi-même? On était au même camp. C'est pas votre arrêt. Qu'est-ce qui se passe? Il part pas? Vrai professionnel. Tu veux me la jouer à l'envers? Mon talent, c'est le commerce, Rojas. Laisse-moi gérer cette partie et concentre-toi sur ce que tu connais. Va dire à Paolo qu'il a ma permission de partir. Vaya con Dios. On vient de vendre des gens, en fait, pour sauver une autre personne, quoi. Je suis pas trop d'accord. J'aurais dû muter Bembe. Ah, mais c'était ça qu'on devait faire réellement, quoi. Paolo, bonne nouvelle. T'es débarrassé de Bembe. Tu lui devais une sacrée dette. Gracias. Mais garde ça pour toi. Talia déteste tout ce que Bembe représente. Bah ouais, je comprends. Je te voudrais ça, mais Talia et moi, on va se barrer de cette île. Bon, bah la mission est terminée. Peut-être quand même essayer de pas faire de bruit. Une tâche de moins, deux tâches de moins. Je vois ça comme des tâches sur le radar tout le temps. Oh, en plus c'était un gros lui. Alors toi qui m'as laissé passer au début de l'épisode, comment t'expliquer? C'était une erreur. En plus tu tiens une Gatling. Genre tu m'attends. N'importe quoi. Bon mais voilà, bah écoutez, je vais vous laisser sur ça. J'espère que ça vous a plu, même si ça a été beaucoup plus court que d'habitude. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour la suite de cette aventure.